En octobre 1915, débarque à Salonique, Thessalonique en Grèce actuelle, dans le nord de la Grèce, dans la région de Macédoine, un contingent franco-britannique venu secourir les armées serbes qui sont en déroute dans les Balkans face aux Austro-Hongrois et aux Bulgares. C'est le début de ce qu'on a appelé le front d'Orient, les armées alliées d'Orient, le front de Macédoine, qui est en fait un front assez méconnu de la Première Guerre mondiale. Il est revenu un peu sur le devant de la scène dans les années 90, lorsque Bertrand Tavernier a sorti son film Capitaine Conan, qui racontait l'histoire de ce qu'on a souvent appelé les jardiniers de Salonique, les poilus d'Orient. C'est, comme je disais, une armée assez méconnue et qui a été souvent mal aimée dans la mémoire de la Première Guerre mondiale. Clémenceau lui-même qualifiait les soldats qui se battaient sur ce front de jardinier de Salonique, pour voilà, se moquer de cette armée qu'on avait envoyée se battre sur un front lointain et que Clémenceau jugeait inutile à l'effort de guerre face à l'Allemagne. C'est un théâtre qu'on a eu tendance à présenter comme un front oublié, enfin, avec une expérience de guerre qui était méconnue, avec beaucoup de problèmes liés à la malaria, à l'éloignement, etc. Et c'est une histoire qui a été un peu redécouverte à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, mais qui reste encore à explorer parce qu'on a tendance à trop raconter cette histoire du seul point de vue français. Alors que c'était un théâtre certes difficile, avec, comme je vous l'ai dit, voilà, un enjeu sanitaire très lourd. Les soldats y étaient exposés à des maladies qu'on jugerait aujourd'hui trop tropicales ou exotiques, en premier lieu le paludisme. Mais c'était avant tout le théâtre interallié le plus multiple, le plus multiethnique, le plus polyglotte de la Première Guerre mondiale. Il a rassemblé des troupes à la fois donc françaises, britanniques, serbes, également russes, italiennes, albanaises. Et au sein de ces différents contingents-là, c'était à la fois des troupes françaises métropolitaines, mais également des soldats qui venaient de tout l'Empire. On avait des tirailleurs sénégalais, on avait des malgaches, des conscrits qui venaient jusque de Chine. Et même si nos regards portés sur ce théâtre, justement maintenant, l'appréhendent avec moins de, je ne dirais pas d'hostilité, mais moins de déconsidération, il reste encore toute une histoire à explorer de ce front si multiple et si hétérogène. Et là, je ne parle que des alliés, parce que une fois qu'on passe de l'autre côté de la ligne de front, ben, ces soldats français qui étaient dans le nord de la Grèce affrontaient des Bulgares, des Austro-Hongrois, des Ottomans, des Allemands. Donc on a un théâtre qui est à la fois extrêmement important du point de vue interallié, avec des gros enjeux de coopération sur cette ligne de front. Mais on a également un théâtre balkanique. Ça peut avoir l'air d'une banalité dit comme ça, mais où beaucoup d'enjeux locaux, régionaux, relèvent non pas forcément de la grande géopolitique de la Première Guerre mondiale, non pas seulement de l'affrontement entre l'Entente, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France, la Russie d'un côté, et les puissances centrales, l'Empire austro-hongrois et l'Empire allemand, mais également d'acteurs locaux, des États balkaniques qui ont joué leur partition pendant ce conflit-là. Pourquoi débarquer dans les Balkans, pourquoi débarquer en Macédoine? L'idée d'intervenir ailleurs que sur le front ouest, elle est assez ancienne en fait dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Dès 1914, on a des généraux français comme Franchet-Desprez qui expriment l'idée de lancer un nouveau front pour percer, pour retrouver du mouvement et pour finalement arriver à une conclusion victorieuse plus aisément que sur le front ouest. C'est une idée également qui est poussée en Russie par le général Alexeïev, qui est à la tête de l'armée impériale, qui avait l'idée de développer un grand front méridional par les Balkans ou bien par la Roumanie pour venir remonter vers le nord, vers donc ce qu'ils appelaient le ventre mou des puissances centrales, c'est-à-dire l'Empire austro-hongrois. Et en premier lieu,
Cette idée de percer vers le sud, elle est écartée car beaucoup de généraux français comme Joffre pensent que bah, l'effort, non, il faut le porter contre les Allemands sur le front ouest et que c'est là qu'on va pouvoir déployer le plus d'hommes de manière efficace pour arriver à une solution militaire satisfaisante. Alors, ces soldats qui débarquent en Macédoine en 1915 ne sont pas sortis de nulle part. En fait, pour la plupart, ce sont des soldats, des troupes qui sont rembarquées de l'expédition des Dardanelles. Les Dardanelles, ou bien Gallipoli aussi, en fonction des ouvrages historiques, c'était une tentative de débarquement allié franco-britannique en vue de marcher vers Constantinople et de sortir l'Empire ottoman de la guerre en lui imposant une défaite et une occupation. En fait, là aussi, on est dans cette idée qu'on peut retrouver du mouvement, qu'on peut percer, qu'on peut changer la donne de, comment dire, du rapport de force global en s'attaquant à des membres plus faibles, en allant sur des théâtres autres que le front ouest. Là aussi, c'était une idée qui était développée dans plusieurs états-majors alliés. Et alors, au moment où la Serbie est en difficulté, face aux troupes bulgares, face aux Austro-Hongrois, et où en fait ces lignes sont enfoncées et où elle doit battre en retraite à travers toutes les montagnes d'Albanie et rembarquer en catastrophe vers l'île de Corfou, eh bien on rembarque ces hommes qui venaient des Dardanelles, on constitue une nouvelle force qu'on va appeler l'armée, enfin qu'on appelait déjà l'armée d'Orient, mais qu'on va redéplacer vers la Cédoine. Ce qui est important de saisir pour comprendre vraiment la nature de ce corps expéditionnaire, c'est que c'est justement un contingent qui a été formé un peu à la manière dont on formait des expéditions coloniales hors en fait de la métropole. Beaucoup d'officiers, quand ils embarquent en France dans l'idée d'aller voilà combattre les Ottomans et plus tard d'aller combattre les Bulgares dans les Balkans, pensent dans leur écrasante majorité qu'on sera rentré à Noël, pour reprendre un refrain qui avait été peu efficace en 1914. Ils pensent qu'ils ne vont pas affronter de vraies armées, que les armées bulgares et austro-hongroises, les armées bulgares, austro-hongroises et, mais surtout, ottomanes ne représentent pas des adversaires crédibles et qu'on en viendra vite, vite à bout. En fait, très vite, les déconvenues vont s'enchaîner les unes après les autres, lors du débarquement de Gallipoli. Ensuite, lorsqu'ils vont se retrouver face aux Bulgares qui vont être beaucoup plus résistants que prévu. Et c'est cette mentalité-là qui, en fait, structure un peu tout ce corps expéditionnaire. On peut parler aussi de contingent colonial, d'expédition quasi colonial, en tout cas lorsqu'on regarde la composition en fait des différents officiers qui cadrent cette armée-là. La plupart d'entre eux ont une expérience dans leurs premières années ou en tout cas dans leur carrière militaire hors de la métropole, que ce soit des généraux comme Franchet-Desprez, comme Général Henriz, comme Juino Gambetta pour du côté français, ou bien comme le général Mayne pour les Britanniques. Ce sont des personnes qui ont fait leur classe en fait dans les colonies et qui ont donc cette expérience-là. Et le caractère un peu colonial de ce contingent se voit aussi dans la composition des troupes, tout simplement. C'est-à-dire que une grande partie des unités qui sont engagées sur ce front viennent soit d'Afrique du Nord, soit sont donc des contingents et des unités coloniales, mais également des soldats indigènes, des tirailleurs sénégalais. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder quelques photos ou de se promener dans les allées du cimetière du cimetière de Zeytinlik à Salonique, qui est donc un grand cimetière interallié au nord de la ville, où il y a un secteur français, britannique, serbe, italien. Et quand on se promène dans les allées de ce cimetière, on remarque que sur différentes pierres tombales, sur beaucoup de pierres tombales sur ce cimetière-là, à la différence des sépultures qu'on a sur le front ouest, en France, en Belgique, ces pierres tombales portent une marque d'origine.
C'est pas le caractère confessionnel, religieux, qui distingue les différentes tombes. C'est un S si le soldat vient du Sénégal, le monogramme IC s'il vient d'Indochine, un croissant lune renversé s'il vient d'Afrique du Nord, et si mes souvenirs sont bons, un M s'il vient de Madagascar. Donc là, on a vraiment visuellement, quand on regarde ces pierres tombales, une sorte de photo, un instantané de ce qu'a pu être la composition ethnique très variée, très hétérogène de cette force qui est intervenue dans les Balkans. Comme je le disais peut-être avec beaucoup d'insistance, cette dimension coloniale ne pèse pas peu en fait dans la manière dont se comportaient les différentes troupes alliées en Macédoine et en Grèce du Nord en général. Tout d'abord parce que ça va être intensifié également par une sorte de choc culturel. Les officiers qui arrivent à Salonique en Macédoine pensent arriver et découvrir une Grèce qu'ils ont idéalisée via leurs études et leurs humanités classiques, via leur vision de la Grèce. Et en fait, ils vont découvrir une Macédoine qui est encore largement post-ottomane. Quand ils arrivent à Salonique, il faut aussi imaginer que la ville est encore coiffée de minarets. Plus d'un tiers, voire même plus, de la population est juive. On l'appelle la Jérusalem des Balkans. Et ça va donc créer un choc qui va également conditionner beaucoup de rapports parfois conflictuels avec les populations locales. Il faut ajouter à cela que l'arrière-pays qu'ils vont découvrir est sous-doté en structure, il est sous-développé, et il porte encore en grande partie les stigmates des guerres balkaniques, donc qui ont eu lieu avant la Première Guerre mondiale en 1912-1913. Guerre balkanique sur lesquelles on reviendra, je reviendrai un peu plus tard. Mais il faut s'imaginer que ces troupes débarquent là dans un arrière-pays, ils doivent mener des opérations sur un théâtre où il y a en fait très peu de routes, très peu de voies pour acheminer l'eau, etc. etc. Donc dans beaucoup de cas, au moment où la ligne de front va se stabiliser après l'échec du secours à la Serbie et où on maintient en fait ces troupes en poste, eh bien, beaucoup de soldats, beaucoup d'officiers surtout, vont prendre part à des travaux d'aménagement du territoire, et ils vont en grande partie ressortir les recettes qu'ils connaissent bien, qui sont celles appliquées par exemple sur le théâtre, sur le théâtre d'Afrique du Nord, avec finalement ce que l'historien John Horn a appliqué à ce théâtre, c'est-à-dire, c'est une grille qu'il a appliquée à ce théâtre pour parler finalement d'un colonialisme situationnel. C'est-à-dire que, non pas que les Français aient voulu installer un protectorat colonial en Macédoine, mais après la stabilisation, ils vont tout simplement appliquer les recettes qu'ils connaissent et appliquer au domaine de la santé, au domaine des infrastructures, des recettes déjà éprouvées dans l'Empire colonial. Alors c'est également un théâtre qui s'apparente par bien des égards à d'autres expéditions militaires françaises ou européennes de l'Ouest ou britanniques par exemple, qui ont pu avoir lieu tout au long du XIXe siècle par son caractère militaro-scientifique. Le général Sarraï, quand il prend la tête de l'armée d'Orient en 1915, insiste justement pour qu'on garde ce nom d'armée d'Orient comme une référence à la campagne de Bonaparte en Égypte. Parce que beaucoup des officiers qui sont embarqués dans cette expédition vont profiter du temps qu'ils ont pour avoir une vie scientifique à côté de leur vie de service, pour mener des fouilles archéologiques, pour faire de l'ethnographie. Un peu à la manière dont beaucoup des expéditions militaires, que ce soit en Morée, en Égypte, pendant le XIXe siècle, ont emporté dans leur bagage des scientifiques, des archéologues, pour, à côté de cet effort militaire,
participer à une œuvre culturelle ou civilisationnelle qui sert à valoriser l'expédition en tant que telle et qui, après, ben, permet également aux différentes personnes qui ont été impliquées dans cette expédition de publier leurs recherches sur ces différents théâtres. Alors, en plus, il y a une caractéristique assez intéressante, c'est que cet effort, en tout cas ces activités scientifiques qui vont se dérouler à côté, enfin, à l'ombre du front, à l'ombre de la ligne de front, eh bien, elle s'explique également par une raison qui est assez simple, c'est que le front d'Orient, ou en tout cas les armées alliées d'Orient, vont très tôt avoir besoin de s'équiper, de s'armer, d'expertise. Et donc, ils vont faire appel à un personnel issu du monde académique, tout simplement pour faire fonctionner ce front. Le faire fonctionner, bah, c'est-à-dire faire en sorte que les rouages de la coalition fonctionnent assez bien. On l'a dit en prélude, c'est le front, en tout cas, c'est sûrement le front le plus polyglotte, le plus multiculturel, le plus multiethnique. Et donc, rien que pour coordonner cette alliance polyglotte, cette véritable Babel militaire, il faut des gens qui parlent des langues. Alors, on va faire venir des agrégés de France, on va demander aux universités s'ils n'ont pas des noms de personnes qui parlent des langues des Balkans, tout simplement pour permettre d'articuler comme il se doit la coalition, mais aussi tout simplement d'interroger les prisonniers et de faire du renseignement. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec, dans l'armée d'Orient, l'école française d'Athènes, qui est donc déjà qui existe depuis le 19e siècle, qui se retrouve au deuxième bureau, donc l'instance qui est chargée du renseignement dans l'armée française, et dans le deuxième bureau de l'armée d'Orient. Ce qui explique qu'on va avoir ce cocktail un peu étonnant, parfois d'une campagne militaire qui fait de l'archéologie, qui fait de l'ethnographie, et qui vont être qui vont amasser tout un tas de données qui seront après valorisées dans des publications, même dès le début du conflit, et jusqu'à l'entre-deux-guerres. Alors, la singularité du front d'Orient, et ça c'est quelque chose qui a été très valorisé par les différents historiens qui ont tenté de sortir de l'oubli tous ces soldats, tous ces poilus d'Orient qui ont pris part au combat sur ce théâtre, eh bien, sa singularité, c'est que contrairement, par exemple, au champ de bataille de la Somme, de Verdun, c'est un théâtre extrêmement accidenté, où les combattants vont devoir se battre soit en altitude, ou bien quand ce n'est pas en altitude, dans des plaines plutôt marécageuses, où se développe toute une série de bactéries et qui vont souvent poser de graves problèmes sanitaires à la troupe. Une autre caractéristique assez importante et structurante pour le front d'Orient, c'est déjà qu'il est, comme on l'a déjà dit, il est lointain, il est éloigné, il est en Grèce, il n'est ravitaillé par la France que par les voies navales, et donc c'est un front où on a beaucoup de mal à organiser des permissions. Certaines unités vont enchaîner jusque 18 mois de campagne dans les Balkans, voire plus à la fin du conflit, ce qui va provoquer de graves dépressions, un grand abattement dans la troupe, et parfois même vont montrer plus que des signes de révolte. En plus de cela, c'est un front qui est assez sous-doté matériellement. Comme je viens de le dire, le ravitaillement par la mer est irrégulier, on ne peut pas le doter d'autant de matériel qu'on peut le faire pour le nord de la France ou pour les champs de bataille de l'Artois. Et pour donner un ordre d'idée, cette sous-dotation est telle que si on avait tiré sur ce front avec les cadences de Verdun ou de la Somme, on aurait épuisé les munitions en une semaine pour une dotation qui était mensuelle. Donc, ce qui fait que tous ces enjeux matériels vont rendre la pratique du combat très compliquée et sur d'autres tempos que ceux qu'on connaît sur le front ouest. Il faut ajouter à cela que les Français et les Britanniques font face à des troupes bulgares qui connaissent bien le théâtre, qui ont gagné les plus hauts contreforts des massifs sur lesquels ces différentes armées combattent. Et parfois, on creusait dans la roche des cavernes, des tranchées qui sont
presque inexpugnable, ou en tout cas passant un feu très nourri et un gros effort militaire qui n'est pas forcément possible de mettre en place à grande échelle sur ce front-là. Alors il faut ajouter que l'enjeu sanitaire est vraiment le plus difficile à gérer pour ce front, qui voit les troupes se décimer véritablement à cause du paludisme. Il faut songer que rien que sur une année comme 1916, on a environ 90 000 hospitalisations, rien qu'à cause du paludisme. Donc il faut imaginer ce que ça fait comme dégâts sur la constitution d'une unité et sur un effort de guerre. Et les alliés, les Français et les Britanniques, vont mettre beaucoup de temps à, en fait, trouver des bonnes mesures. Et c'est ce qui va aussi expliquer la réticence des autorités à organiser des permissions massives pour ces soldats, de peur que la troupe ne ramène avec elle toute une série de maladies en métropole. Alors la situation du contingent allié, donc des troupes françaises et britanniques, va également être complexifiée par le statut diplomatique et militaire de leur intervention. La Grèce, où les troupes alliées interviennent en octobre 1915, est neutre. Le roi Constantin, qui est lié à la famille impériale allemande par le mariage de sa sœur, est en fait très attaché à la neutralité de son pays. Il avait signé une sorte de convention de défense avec la Serbie avant la guerre, et il ne veut pas la mettre en application, il ne veut pas rentrer en conflit avec la Bulgarie, puis par extension avec les empires centraux. Et pendant toute une période qui va du débarquement en octobre 1915 jusqu'à l'été 1917, les différents généraux alliés ont donc une peur, c'est qu'en fait l'armée grecque finisse par basculer dans le camp des empires centraux par les liens que entretient le roi Constantin avec la famille impériale allemande. Et ça va être un peu la grande crainte qui va faire qu'on aura des relations très compliquées entre donc les forces alliées qui débarquent dans le nord du pays et le pouvoir à Athènes. Il faut ajouter une complexité à l'équation, c'est que le premier ministre qui est à la tête du gouvernement grec, Eleftherios Venizelos, en 1915, est favorable en fait à l'entrée de la Grèce aux côtés des alliés. Et le conflit politique est tel que Venizelos va décider de créer son propre gouvernement d'union nationale ou de défense nationale à Salonique, dans le nord du pays, vers le mois de septembre 1916. Et il va mettre sur pied donc sa propre armée pour l'aligner aux côtés des troupes franco-britanniques et puis serbes à partir de 1916, puisque comme nous l'avons dit, les Britanniques et les Français sont intervenus dans les Balkans pour secourir l'armée serbe qui avait dû rembarquer en catastrophe sur l'île de Corfou. Cette armée serbe est remise sur pied avec l'aide de la France et des Britanniques et reprend pied en Macédoine à partir de 1916. Et Venizelos veut se joindre à cet effort allié parce qu'il est convaincu que tôt ou tard, ce sont les alliés qui vont l'emporter dans cette grande guerre. Et que la Grèce aurait toute une série d'intérêts à tirer de cette victoire, et à tout le moins à intérêt à se trouver du côté des vainqueurs. Et la situation est telle que les alliés vont considérer qu'il faut faire rentrer la Grèce dans le conflit, et ils vont devoir intervenir par la force à Athènes au printemps 1917 pour contraindre le roi Constantin à l'exil et ainsi faire en sorte que Venizelos puisse revenir à Athènes et devenir le seul ministre grec et le seul représentant du pouvoir grec. Et c'est à partir de ce moment-là, seulement à partir de ce moment-là, que la Grèce entre tout entière en guerre contre les empires centraux. Il y a un élément dans l'équation qui manque pour le moment et qu'il ne faut à tout prix pas écarter, c'est tout simplement les populations civiles. Les alliés débarquent comme je le disais précédemment, dans une Macédoine qui en fait
a été dévastée par les guerres balkaniques, ou en tout cas porte encore les différents stigmates, et le conflit dans le nord du pays, donc dans le nord de la Grèce, va provoquer son lot de déplacements de population, de réfugiés qui vont accentuer des problèmes que rencontrent les populations civiles dans le nord du pays. Mais les Alliés vont porter une double attention à ces populations, tout d'abord au niveau sanitaire. Ils vont entreprendre des grandes campagnes de vaccination et de contrôle sanitaire des populations, mais également ils vont employer cette population-là sur les différents chantiers que l'armée d'Orient met en place en fait, dans le nord du pays. Par exemple, mise en place d'infrastructures de transport, que ce soit des ponts, des routes, des pistes, mais également mettre en place différents systèmes d'irrigation, revalorisation de certaines portions de terre pour y mettre en place une agriculture plus intensive, ce qui vaut d'ailleurs justement le surnom de jardinier de Salonique à ses forces françaises présentes sur place. Et en fait, ils vont employer la population de manière presque contrainte, parce que dans cette main-d'œuvre dans le nord du pays, cette main-d'œuvre macédonienne, comme ils le disent dans la documentation des époques, et ben on trouve à la fois des prisonniers bulgares, des civils, des enfants, qui sont plutôt astreints à un régime de travail contraint. Alors c'est pas de la servitude complète, mais les salaires fournis par l'armée d'Orient permettent à peine de survivre. Et en fait, on a un lien quasi de suggestion qui se met en place entre la troupe et ces populations-là. Il faut ajouter que le contrôle des autorités alliées devient de plus en plus un contrôle d'occupation. Il faut songer que même un ministre du gouvernement de Venizelos ne pouvait pas se déplacer dans la ville de Salonique sans un laissez-passer délivré par les Français. Donc peu à peu, pour les besoins de la guerre, pour les besoins du théâtre, eh bien, il y a un contrôle de plus en plus strict du territoire qui se met en place en Macédoine du Nord. Alors cette situation, ce front sous tension, fait que les armées alliées plutôt, vont rencontrer de plus en plus de problèmes de discipline, de problèmes dans la gestion de la troupe, et des troupes, quelles qu'elles soient, et quelle que soit leur nationalité. Alors il faut s'imaginer qu'à partir donc du débarquement de 1915, les troupes alliées vont donc remonter vers le nord, ne vont pas réussir à faire la jonction, comme je l'avais dit précédemment, avec les troupes serbes, et peu à peu on a une ligne de front assez stable qui va peu évoluer entre la dernière campagne vraiment efficace sur cette portion-là, qui date de l'automne 1916, où les Alliés parviennent à pousser leur effort jusqu'à la ville de Monastir. Et en fait, à partir de là, même les offensives du printemps 1917 ne vont pas réussir à faire bouger une ligne de front qui, de l'Adriatique à la mer Égée, va rester stable, grosso modo, jusqu'à l'été 1918. Et il faut imaginer donc à partir de 1916, avec les renforts, que ce soit des Serbes, puis des Grecs qui vont aligner quelques soldats sur certaines portions du front, et ben on a un front continu qui va de l'Adriatique avec des Italiens qui donc sont entrés en guerre entre-temps et viennent porter secours à l'armée d'Orient, également parce qu'ils ont des intérêts régionaux du côté de l'Albanie. On a des troupes albanaises. Et puis quand on va plus vers l'Est, on a le front franco-russo-serbe, où en fait on a des amalgames de ces différentes troupes qui, se battent dans le nord de la ville de Florina, et puis plus à l'est encore, vers le lac d'Oiran, c'est le secteur britannique, puis rejoint également par les armées grecques. Et en fait, ce front-là va rester assez peu actif. Dans la littérature, beaucoup ont parlé de front endormi à ce niveau-là. Et voilà, dans l'attente, dans les difficultés de la vie quotidienne du soldat, avec extrêmement peu de permissions, il va y avoir un mécontentement qui va
monter de plus en plus, et les armées alliées d'Orient vont rencontrer des situations quasi insurrectionnelles dans pas mal de corps, dans pas mal d'unités en fait de ce front. Dès le printemps 1917, par exemple, on a le 242e régiment d'infanterie qui, dans le nord de la ville de Salonique, refuse de repartir au front, de renvoyer des soldats au front, alors qu'on venait enfin de leur accorder quelques permissions. Le commandement français va calmer la révolte en distribuant du temps de congé, du temps de permission, mais il va y avoir des campements de soldats français qui vont presque s'insurger, refuser de repartir au front, refuser d'obéir à toute autorité, et les troupes françaises doivent elles-mêmes, manu militari, remettre de l'ordre dans ces différentes localités de l'arrière. À partir de l'automne et de l'hiver 1917, des troupes russes qui avaient été envoyées en renfort à partir de 1916 par le gouvernement de Pétrograd refusent de reprendre le combat et menacent même d'ouvrir la ligne de front aux Bulgares si on ne les retire pas de la ligne. De la même manière, dans les troupes grecques du gouvernement de Venizelos, qui donc a monté depuis 1916 cette armée-là, a imposé la conscription dans le nord du pays, on a des émeutes, on a des mutineries, on a même des moments de tension très forts entre la troupe française et la troupe grecque. Et là aussi, les armées alliées craignent que le phénomène ne se propage, par exemple, aux troupes serbes, qui sont considérées comme étant affaiblies dans leur morale, comme étant prêts également à peut-être faire la paix avec l'ennemi bulgare. Et donc, en fait, toute l'année 1917, en tout cas la fin de l'année 1917, est grévée de toutes ces différentes crises qui, en fait, jalonnent la vie du commandement et font que, en fait, on ne peut pas non plus mener de grandes offensives, de grandes manœuvres dans ce contexte. Il faut aussi signaler que c'est une crise qui gagne pour les Français, tant les troupes métropolitaines que les troupes coloniales. Il y a des troupes indigènes et également notamment des tirailleurs sénégalais qui s'opposent à ce qu'on les renvoie en première ligne. Alors l'évolution de ce front, l'évolution de la manière dont on va gérer ces différentes crises de discipline, elle va être quand même grandement conditionné par les cadres de l'armée d'Orient et par les généraux qui sont à la tête des forces françaises et alliées. Alors, dans ce domaine-là, ce sont les généraux français qui ont joué un rôle le plus prépondérant dans la manière de réformer successivement ces armées alliées d'Orient. Alors, pourquoi les Français ? Alors, pour la simple et bonne raison que les généraux français sont à la fois à la tête de la coalition alliée et sont également à la tête, évidemment, de l'armée française d'Orient. On a trois généraux qui vont se succéder à la tête de la coalition alliée. C'est tout d'abord le général Sarail, ensuite le général Guillaume, puis le général Franchet des Prés. Alors, Sarail, c'est un général qui arrive à la tête du contingent à l'automne 1915. Et malgré quelques réussites en 1916, avec la fameuse campagne dont je vous parlais, où les troupes franco-britanniques arrivent à pousser jusqu'au-delà de la ville de Florina et vont jusqu'aux alentours de Monastir, Sarail va avoir un double problème. C'est que, tout d'abord, comme j'avais expliqué précédemment, le front est assez sous-doté matériellement, donc quand Paris demande de monter une offensive, le résultat peut difficilement être très concluant vu la sous-dotation matérielle et également en hommes du front, puisque Paris veut quand même garder la majorité des forces françaises pour le front ouest. On estime que c'est là que l'effort de guerre le plus important se mène. Mais également, Sarail a un autre problème, c'est qu'il commence à se fâcher avec tous ses généraux et même ses collaborateurs les plus proches, dont il n'accepte pas les critiques ou dont il n'accepte pas la remise en question ou la tentative de réécriture de certains plans. Et par ailleurs, il va se brouiller avec les différents
les différents généraux alliés, que ce soit britanniques ou serbes, qui sont sur ce front. Il est remplacé à la fin de l'année 1917 par Guillaume, qui est envoyé clairement sur le front d'Orient pour remettre de l'ordre au moment où la crise de la discipline bat son plein. Et Guillaume remet de l'ordre tout d'abord donc, en changeant les différents cadres, en renouvelant différents officiers supérieurs et officiers qui cadrent la troupe, en essayant de calmer l'indiscipline, en donnant par exemple des permissions, mais en retirant les troupes de ligne de front qu'il juge peu fiables, par exemple les troupes russes, ou certaines troupes serbes jugées pas forcément faible, mais en tout cas moins fiable que Guillaume ne le voudrait. Et il remet également en place une instruction plus renforcée. Et enfin, on aura à l'été 1918, Guillaume est rappelé en France parce que Clémenceau juge qu'il peut avoir besoin de Guillaume au moment de lancer les grandes offensives de l'été 1918 contre l'armée allemande, et on met à sa place le général Franchet-Desprez. Alors, Franchet-Desprez se distingue de ses prédécesseurs parce que contrairement à Guillaume et Sarail, qui avaient pour point commun de mal connaître la région, de mal comprendre les Balkans, Franchet-Desprez connaît plutôt bien le théâtre macédonien. Il y a d'ailleurs fait plusieurs voyages avant la Première Guerre mondiale, et très tôt il a milité pour que qu'on mise sur ce théâtre et qu'on puisse y organiser une grande action offensive. Et à la différence de Guillaume, qui lui va plutôt miser sur une coopération renforcée avec les Britanniques avec qui il s'entend bien, notamment avec le général Mayne, Franchet-Desprez va plutôt miser sur les Serbes. Et c'est d'ailleurs avec un groupement franco-serbe que Franchet-Desprez et les différents états-majors alliés vont monter une grande offensive sur les massifs de Dobropolier, où en fait il va confier à un groupement franco-serbe le franchissement d'une crête qui d'apparence était infranchissable, justement, contre des positions bulgares jugées inexpugnables. Ça va être la bataille de Dobropolier en septembre 1918. Et cette percée va provoquer une défaite bulgare qui va pousser la Bulgarie à demander un armistice qui sera donc conclu à Salonique en septembre 1918 et qui sera le premier armistice dans la cascade des différentes cessations des hostilités, que ce soit sur le front italien, que ce soit en France avec l'armistice de Rotonde et du côté ottoman avec l'armistice de Mouros. Alors, il y a une autre dimension qui est assez importante pour comprendre ce qu'a pu être le front de Macédoine, le front des Balkans, le front d'Orient, c'est l'inscription finalement de ce théâtre dans ce que certains historiens ont appelé la plus grande guerre, The Great War, pour reprendre les expressions utilisées notamment par John Horn. Et cette idée que la chronologie de la Première Guerre mondiale, elle mériterait d'être étirée en amont vers 1912, donc vers les premières guerres balkaniques, et en aval jusqu'en 1923, et donc les différents traités qui ont été signés donc, avec la Turquie kémaliste, et la fin, en tout cas, de la guerre civile russe. Alors c'est quelque chose qui est important parce que d'apparence les Français viennent dans les Balkans pour reprendre, pour poursuivre un conflit avec Berlin et avec Vienne sur un autre théâtre. En fait, ils veulent trouver le maillon faible de la coalition. Ils pensent d'abord que c'est l'Empire ottoman, puis ils pensent qu'on peut vaincre la Bulgarie, et donc c'est finalement une prolongation de la Grande Guerre par d'autres moyens. Mais si on regarde les acteurs locaux, régionaux, dans les Balkans, eh ben, on se rend compte que cette Grande Guerre, qui éclate donc en 1914, est pour beaucoup de protagonistes une
troisième guerre balkanique, ou en tout cas l'occasion de reprendre les guerres balkaniques là où on l'avait, où on les avait laissées. Alors pour rappel, les guerres balkaniques, qui sont les deux guerres balkaniques qui sont déroulées en 1912 et 1913, ont marqué l'achèvement du déclin de l'Empire ottoman sur ses possessions européennes. Et à partir de 1821 et de l'indépendance grecque, eh bien, différents États-nations, que ce soit la Grèce, la Serbie, la Bulgarie, s'étaient construits au détriment de l'Empire ottoman, qui avait vu ses possessions refluer de plus en plus vers Constantinople et vers ses possessions asiatiques. Et la première guerre balkanique, en fait, met une sorte de dernier coup à l'Empire ottoman, qui donc perd la Macédoine face à une coalition dans laquelle il y avait la Bulgarie, la Roumanie, le Monténégro, la Serbie, la Grèce. Et la deuxième guerre balkanique se déclenche, en fait, parce que la Bulgarie est mécontente du partage qu'on a fait de la Macédoine, et elle se retrouve en guerre contre la Serbie et la Grèce, puis contre la Roumanie, et perd cette guerre, perd la Macédoine, perd Salonique, qu'elle revendiquait, mais qui revient à la Grèce. Et donc, quand 1914 arrive, quand l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie, et par la suite, quand les différents acteurs régionaux, Grèce et Bulgarie, entrent dans le conflit, ben, beaucoup d'entre eux ont l'impression de reprendre en fait le conflit précédent là où ils l'avaient laissé. La Bulgarie entre principalement en guerre contre la Serbie pour reprendre des territoires qu'elle estime être siens. La Serbie, quant à elle, a le sentiment de vivre une lutte existentielle et également une lutte de consolidation des différentes conquêtes en fait de la Seconde Guerre balkanique. Plusieurs villes, que ce soit Monastir, Skopje, Uskub, en fait, avaient été conquises par la Serbie, mais n'étaient serbes que de fraîche date. Et la composition multiethnique, en fait, de ces différents territoires fait que bah, beaucoup de protagonistes régionaux peuvent revendiquer telle ville, peuvent revendiquer tel territoire. Et ce sont ces jeux de construction d'État-nation avec des projets hégémoniques et quasi impériaux qui en fait se percutent dans les Balkans et vont encore se percuter même au sein de la coalition alliée. On a un exemple très intéressant en la matière. Il se trouve que dans le nord de la Grèce et donc en Macédoine, sur un territoire fraîchement grec depuis seulement qui n'est reconnu en tout cas comme grec depuis les guerres balkaniques, eh bien le jeu du théâtre et le jeu de la ligne de front va faire que des Serbes vont se retrouver à occuper des localités qui sont légalement grecques, mais sur lesquelles les Serbes ont eux-mêmes des prétentions. Et c'est ainsi que, dans beaucoup de localités, les Serbes vont se livrer à ce qui peut ressembler à de l'ingénierie ethnique, c'est-à-dire vont s'en prendre aux populations qui ne seraient pas chrétiennes, aux populations qui ne seraient pas serbophones, et vont installer, mettre en place leurs lois, leur pouvoir dans ces différents endroits. Cette multiethnicité qui pose problème aux différents projets d'État-nation, que ce soit le projet grec, le projet serbe ou le projet bulgare, et ben en fait on en a un bel aperçu lorsqu'on lit un roman qui est celui de Stratis Mirivilis, La vie dans la tombe, qui est un soldat, Stratis Mirivilis, un écrivain grec qui était soldat pendant les guerres balkaniques et la Première Guerre mondiale, et qui va raconter son expérience de soldat sur le front d'Orient dans ce roman. Ben, il raconte très clairement que quand les soldats grecs arrivent en fait dans différents villages où ils estiment que c'est la Grèce, c'est territorialement une possession d'Athènes, ils se retrouvent face à des populations dont ils ne parlent pas la langue, où il y a parfois un fossé confessionnel également qui est manifeste, et qui va susciter un certain nombre de violences, de tensions, et qui montre bien là que en fait on a dans cette grande guerre une prolongation, un rejeu des affrontements qui ont eu lieu pendant les guerres balkaniques. Alors cette construction des États-nations
des Balkans qui a lieu et qui est consolidé ou intensifié par la Première Guerre mondiale. On en a aussi un bel exemple au cœur même de la ville de Salonique, donc de la Thessalonique actuelle dans le nord de la Grèce. Cette ville est frappée par un violent incendie en août 1917 et il y a environ un tiers de la ville ancienne qui est complètement brûlée. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une commission interalliée qui préside en fait à la reconstruction de la ville de Salonique avec des architectes et des ingénieurs français, britanniques et grecs, qui sont tous bercés d'humanité gréco-latine et vont en fait redessiner le visage de la ville. On va détruire des quartiers entiers qui portaient, voilà, dans leur structure, dans leur architecture, la marque de cette ville qui était une ville ottomane jusqu'à 1912 et qui était d'ailleurs une ville qui a été le cœur de la vie de l'Empire ottoman pendant plusieurs siècles, parce qu'il faut songer que cette ville a été conquise par les Ottomans avant même que ne tombe Constantinople. Et bien dans la manière de reconstruire cette ville, on va retracer le plan de A à Z, on va exhumer un forum romain qu'on patrimonialise, créer une grande percée qui mène du forum en amont au port en aval avec une vue directe sur le mont Olympe depuis une place Aristote qui, comme vous le voyez, valorise un héritage grec, un héritage en antique et qui en fait parachève l'arraisonnement de la Macédoine à la Grèce et au nouvel État-nation grec. Alors la plus grande guerre dont je parlais à l'instant, elle a également une prolongée, une poussée en aval et pas seulement en amont vers les guerres balkaniques, mais vers l'après-1918. Et l'armée d'Orient accompagne en fait cette après-guerre complexe, cette après-grande guerre où justement la guerre n'en finit pas de finir dans les anciennes possessions ottomanes, mais également dans les empires centraux et par extension sur les anciens territoires russes. L'armée d'Orient va accompagner cette sortie de guerre douloureuse pour l'Europe médiane, parce que à partir donc de la victoire de 1918, à partir de l'armistice avec la Bulgarie, les armées alliées d'Orient vont progresser vers le nord. L'armistice ne veut pas dire la fin des opérations. L'armistice, ce n'est pas la paix, c'est une cessation temporaire des armes, et on poursuit le déploiement des forces des armées alliées d'Orient vers l'Europe centrale. Ces armées-là vont être divisées en trois branches, grosso modo. L'armée de Hongrie, qui va, à partir pendant toute l'année 1919, occuper la Hongrie et veiller à l'application des clauses l'armistice. On a également un autre corps d'armée qui devient l'armée du Danube. Cette armée-là intervient en fait directement dans la guerre civile russe en débarquant en Ukraine, en Crimée, et également sur tout ce qui va devenir la frontière entre la Roumanie et plus tard l'Union soviétique. Et on a un troisième corps également qui est envoyé vers Constantinople, là pour appliquer en fait les clauses de l'armistice de Mudros signé avec l'Empire ottoman, et qui va devenir plus tard ce qu'on a appelé le corps d'occupation de Constantinople. C'est cette histoire-là qui est racontée par Roger Vercel dans son roman Capitaine Conan, porté à l'écran par Bertrand Tavernier, qui dit bien la lente sortie de guerre qu'a été celle des poilus du front d'Orient, qui voilà sont alors qu'on commence à démobiliser, alors que plusieurs troupes rentrent progressivement chez elles, et bien ces soldats vont
continuer à maintenir l'ordre en Hongrie ou à s'interposer entre différentes forces de occupation, par exemple entre les Roumains et les Hongrois, ou bien vont reconnaître le feu une nouvelle fois, vont être envoyés combattre les bolcheviques en Ukraine et en Crimée au prix d'une campagne qui démarre en décembre 1918 et qui va se solder par un échec dès le printemps 1919. Et enfin, certains soldats de cette armée d'Orient vont rester en poste, par exemple dans le corps d'occupation de Constantinople, jusqu'en 1922, dans des régions où, en fait, on essaye de gérer tant bien que mal l'effondrement des empires centraux et la stabilisation ou l'endiguement de la progression du de ce que l'armée française nommait déjà le bolchevisme. Et à tel point que, par exemple, dans le corps d'occupation de Constantinople, les armées d'Orient vont même avoir une fonction humanitaire, puisque ce sont ces troupes-là qui gèrent l'arrivée des réfugiés russes de l'ancien empire qui fuit la guerre civile et qui font une première étape par Constantinople. Comme le montre ce rapide, mais en même temps vaste panorama, ces soldats français et britanniques et serbes n'étaient pas que des jardiniers de Salonique. Ils n'ont pas mené là une guerre semblable à celle qu'on a pu connaître sur le front ouest. C'est une expédition qui a une complexité qui a ses racines dans les enjeux balkaniques régionaux et qui explique cette tension permanente qu'a été la vie sur ce théâtre et des opérations qui, comme on s'en doute assez peu, en fait, se sont prolongées jusqu'à ce qu'on a appelé la plus grande guerre au-delà de l'année 1918.